Il était une fois, dans un petit village niché entre deux collines, un petit champignon nommé Pipon. Pipon n'était pas comme les autres champignons du village. Il était aventureux et curieux du monde au-delà de leur paisible village. Un jour, alors que les nuages sombres s'approchaient dans le ciel, Pipon remarqua quelque chose d'inhabituel. La rivière, qui coulait près de leur village, montait très rapidement. Les villageois étaient paniqués lorsqu'ils ont réalisé qu'une inondation était imminente et que leur maison et leurs champs allaient être emportés par les eaux. Pipon, avec sa vivacité d'esprit et son courage, savait qu'il devait faire quelque chose pour sauver son village. Pipon est passé à l'action. Il s'est roulé jusqu'au bord de la rivière et a commencé à absorber autant d'eau que possible en utilisant sa capacité unique à gonfler et à retenir l'eau en lui. Les autres champignons regardèrent avec étonnement Pipon grandir de plus en plus, se transformant en un barrage de fortune qui ralentissait les eaux déchaînées. Malgré la pluie battante et la force de la rivière, Pipon est resté fort, déterminé à protéger son village à tout prix. À chaque instant qui passait, le niveau de l'eau commençait à baisser grâce à l'acte de courage de Pipon. Le village a été sauvé de l'inondation et les villageois se sont réjouis, réalisant le véritable héroïsme dont Pipon avait fait preuve. À partir de ce jour, Pipon fut salué comme un héros dans le village. Les autres champignons ne doutaient plus de ses capacités et le regardaient avec admiration et respect. L'histoire de Pipon s'est répandue partout, inspirant d'autres créatures de la forêt à croire en elles-mêmes et en leur capacité à faire une différence aussi petite ou inattendue soit-elle. Ainsi, Pipon le champignon est devenu une légende, un symbole d'espoir et de courage pour tous ceux qui ont entendu le récit de la façon dont il a sauvé son village du désastre. Son histoire a enseigné à chacun que le véritable courage se présente sous toutes les formes et dans toutes les tailles, et que même le plus petit d'entre nous peut avoir le plus grand impact lorsqu'il choisit de se lever et de faire la différence. Le soleil se lève tôt, les oiseaux dansent joyeux. Chaque jour une fête, la vie c'est comme une chanson. Les enfants dans